de Pentecôte, dite fête des purifiés, a été célébrée dans toutes les sections Mont Ararat du Congo et du monde. Les sections de Bouansa et d'Olizi ont été les hôtes de la section de Mont Bello. Rehaussée par la présence de Charles Mikungi Lundu, président adjoint de la côte BCI, la célébration de cette fête de Pentecôte édition 2023 à Mont Bello, sous la direction du frère Ngoma Dorel, membre confirmé de l'OPH, section de Kikaka, située dans le département de la Bouenza, a connu la participation d'un nombre important des frères et sœurs venus très nombreux rendre un culte agréable à l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Prenons la parole, Charles Mikungi Lundu, président adjoint de la côte BCI, s'est exprimé en ces termes. Jeudi matin, toujours la mambo qui salue, nous avons dans Zambi, Pesamoun programme Yangé. C'est-à-dire qu'on a fait la Pentecôte, Pesamoun programme Yangé. Puisque qui salue à César, on a tellement, mais j'ai dit, Seigneur, on a fait ça mon programme. Et le vendredi, nous-mêmes, Manissa, qui salue la pointe noire, je dis, le soir, on a fait la mon Sinaï. Et nous avons une réunion samedi à Tolizi. Donc, on a 7h, on a 6h, on a la pointe noire pour Tolizi. Même Manissa, réunion, le même chauffeur, nous avons un gars, vous la mon pointe noire, et je croise Papa Luzolo. Et là, bah, Papa Luzolo, mais quoi, nous mettons dans un programme en basse, mais on met beaucoup de à Papa Luzolo, à travers le frère Iwang. Mais on donne à Papa Luzolo, il y a que si on veut, parce que basse dans Souka, pour nous vendre quelque part encore. Après, on met beaucoup de à la maison, mais non. Comme on met salam, il faut mettre quoi, il y a mon vélo. Ça va, vous voyez? Il y a un zami, quel est? Donc, il y a un zami depuis mon Koumaga, ou qui l'ingue, moi, c'est dans mon nom. Parce que, ben, fou, moi. Il n'y a rien de plus beau que d'être avec l'Éternel. Il est démontré que l'on ne peut se proclamer enfant de Dieu tout en étant rebelle à ses directives. Participer à ces solennités, ne plus ni moins que confronter nos liens avec le Créateur et de bénéficier de ses bénédictions.